Wesh l'équipe, c'est Obscure Nathan, j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. En tout cas moi l'équipe ça va super bien. Bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne officielle de la Obscure Clan l'équipe, et pour mon plus grand plaisir. Alors aujourd'hui l'équipe, si vous ne me connaissez pas, c'est tout simplement car je viens d'arriver au sein de la Obscure Clan. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ma chaîne YouTube, elle est en description, et celle du player le sera aussi. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu l'as vu au titre ou même à la miniature, on va s'attarder sur un sujet qui est le comparatif d'armes. Donc on va démarrer une série que personne n'a encore faite je pense sur BO4, c'est le comparatif d'armes. Alors c'est très simple, aujourd'hui on va comparer la cordite à la PDW, donc une arme de BO4 à une arme de BO2. Il y aura un épisode tous les deux semaines à peu près de cette série, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous motiver en lâchant ton plus gros pouce bleu comme je le redis. Alors en gameplay de fond, c'est vraiment rien de fameux, c'est tout simplement un gameplay tout simple à la cordite réalisé par notre player ObscureX. Sa chaîne elle est en description comme je l'ai dit, tu vas la checker, tu vas t'abonner, etc, etc, t'as compris le blabla. Pour les gens qui seraient intéressés par sa classe, je vais tout simplement vous la citer dès maintenant. Alors c'est la cordite avec tir rapide, poignée et ceinture à munitions. Ceinture à munitions, c'est quoi? C'est le mode opérateur, pillard, poids, plume, fantôme. Voilà, bref, on a fini la parenthèse, le screen c'est affiché à l'écran, vous pourrez tout simplement reproduire la classe si vous le voulez. Bref, on n'est vraiment pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour ce fameux comparatif. Alors cette vidéo va tout simplement se couper en deux parties. La première partie c'est le gameplay à la cordite sur Call of Duty Black Ops 4 réalisé par notre player, et la deuxième partie c'est le gameplay sur Call of Duty Black Ops 2 réalisé à la PDW 57. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement on va dire, je vais pas dire, ouais, on va peut-être dire limite presque tout simplement la vraisemblance, la ressemblance entre ces deux armes qui est vraiment limite inratable. Que ça soit à vue d'œil, que ça soit sur les statistiques, ces deux armes se ressemblent et je vais vous le prouver. Alors le premier point, si vous avez déjà joué à Black Ops 2, c'est la cadence d'armes. Donc tout simplement, je vous invite à regarder le gameplay à la cordite parce qu'on va vite passer au gameplay à la PDW. La cordite, elle est très précise. Que ça soit de loin comme de près, elle est précise. Par contre, le seul souci de la cordite, qui est donc le même que la PDW57, était tout simplement les dégâts. Je vous rappelle qu'au début du jeu, tout le monde jouait PDW57 et tout le monde lui rajoutait un silencieux car on pensait que ça lui rajoutait des dégâts. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc du coup, c'est ça. Par contre, au niveau de la précision, on est vraiment sur le même type d'arme, que ça soit dans le visuel ou que ça soit tout simplement dans le mental. Enfin voilà, en tout cas sur la gâchette, quoi. Et puis, tout simplement, on a le même viseur, le même type d'arme. Donc on a le même type de design d'arme. Je sais pas ce qu'ils ont fait au fichier, etc., etc. Je sais pas s'ils ont juste fait des petites modifications par rapport à Black Ops 2, mais on a vraiment le même design et on a un viseur très similaire. On passe tout de suite au gameplay de la PDW pour vous démontrer ça. Voilà l'équipe, comme vous l'avez vu, c'est vraiment très similaire entre ces deux armes, que ça soit au niveau du design, comme je le répète, au niveau de la cadence et surtout, surtout, surtout au niveau de la précision des deux armes. On a deux armes complètement méchantes. Malheureusement, on joue un peu moins la cordite que la PDW sur Black Ops 2, mais on la joue quand même. C'est la deuxième SMG la plus jouée après la SOG ou après la GKS, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est une SMG qui est très très souvent jouée tout simplement par les joueurs de la communauté Black Ops 4. Vous allez la rencontrer, j'imagine vous l'avez déjà rencontrée et elle vous a déjà bien cassé les pieds à mon avis. On peut remarquer aussi que ces deux armes sont très polyvalentes, c'est à dire qu'on peut les jouer de loin comme de près, ce qui est déjà leur avantage au niveau des SMG, même si on joue un peu moins la cordite parce que c'est une arme, si on pourrait dire ça comme ça, qui tire des balles à clous. Enfin bref, vous m'avez compris, en ce moment sur BO4 c'est la mode, c'est des armes qui tirent des balles à clous, c'est des armes qui servent à rien, mais limite à rien du tout. Alors que moi je trouve que cette mitraillette, donc la cordite en question, elle est vraiment très 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 puissante et il faudrait pas la sous-estimé, vu que justement c'est un comparatif avec la PDW qui était une SMG très 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 over cheat sur Call of Duty Black Ops 2. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point là. Bref l'équipe, c'est déjà la fin de ce premier épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à nous dire ton avis en commentaire sur ce premier épisode. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire si il y a des petites choses à améliorer sur le commentary, sur la présentation des deux armes, sur les gameplay, peut-être je sais pas moi, peut-être qu'il faut plus introduire le gameplay de BO4 que le gameplay de BO2 ou le contraire. N'hésite pas à nous faire savoir ça en commentaire et puis on essaiera de s'améliorer pour l'épisode 2. Vous allez bientôt me retrouver je pense pour de prochains épisodes parce que je vais bien m'occuper de cette série, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà l'équipe, c'était Nathan, je vous laisse sur cette fin de vidéo et peace.